Où es-tu? Par ici. Assistance par friction enclenchée. Je croyais que tu ne ratais jamais. C'est à cause de cette armure. Lève-toi et bats-toi. Tu veux te battre? Alors montre-toi. Et perds mon avantage. Ne t'ai-je rien appris, Syrax? Idiote. Sans être vu, attaquer à distance. Il y a des règles. Les règles. Les Lin Kuei ne font pas de tournoi. Nous faisons la guerre. Si je suis caché, tu dois me révéler. Ça devrait être instinctif pour quelqu'un de ton rang. J'avais tort. Tu n'es pas digne de cette armure. Mon instructrice et ma commandante. Mais cela ne fait pas de toi ma cible. Alors, qui n'est pas digne? Reconnais que si je ne m'étais pas montré, tu ne m'aurais jamais trouvé. Tu n'aimes pas mon combat? Alors renvoie-moi aux montagnes de l'air. Tu ne rentreras pas tant que tu ne seras pas une Lin Kuei parfaite. C'est la promesse que j'ai faite à tes parents. Et cette promesse, je la tiendrai. Une fois de plus, tu te surpasses. Ce complexe, cette armure, même ton père ne voyait pas aussi grand. Toi seul pouvais prendre sa place de maître armurier. En effet. Est-ce de l'irrespect? Heureusement que Sector est ton mentor. Ce n'était pas mon but, grand maître. Avec votre permission, je vais commencer la production de masse de l'armure. Elle doit d'abord être testée au combat. Nous avons trouvé Kuai Liang et ses Shirai Ryu. Ils sont chez les Wuxi pour son mariage. Attaquer son mariage? Je suis consciente de ce qu'il a fait, mais... La surprise nous donnera un avantage tactique. Nous gagnerons la bataille, mais nous perdrons la guerre. Après ça, plus personne ne nous respectera. Mieux vaut être craint que respecté. Je n'arrive toujours pas à croire que Liu Kang a capitulé devant l'Outre-Monde, qu'il a accepté de dissoudre notre clan. C'était un lâche, tout comme Kuai Liang, qui a accepté sa reddition. Ils ont abandonné les Lin Kuei, mais nous, non. Allez, va préparer l'attaque.
Elle commence déjà à avoir des soupçons. Tôt ou tard, elle finira par apprendre la vérité sur Kuai Liang. À ce moment-là, nous serons prêts. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union de Harumi et de Kuai Liang. Célébrons leur union comme ils célèbrent même leur amour, comme ils célèbrent leur... Alors Zeus, on a le trac ? Je n'ai jamais célébré de mariage. Je ne pensais pas faire ça aujourd'hui. Mais Liu Kang et Gera ont été appelés dans l'outre-monde à l'improviste et... Tranquille, mon pote. Détends-toi, oublie pas de rester cool. Tu sais, on n'est que des pauvres figurants ici. Les vrais stars, c'est... Kuai Liang et Harumi. Nostalgie, ça me rappelle mon mariage avec Chris. À Hollywood, ça devait être quelque chose. Non, c'était avant que je devienne célèbre. Petite cérémonie, petite église. Ouais, c'était le bon vieux temps. Nous sommes réunis ici pour assister à l'union de Harumi et de Kuai Liang. Célébrons leur union, tout comme eux célèbrent leur amour. Par les dieux anciens! Game of Thrones, saison 3, épisode 9. T'es vraiment un cas désespéré. Vous deux, pas maintenant. Vas-y, je m'en sortirai. T'inquiète pas, je m'occupe de tout. Vraiment ? Les Lin Kuei sont en mode animé. C'est qui ces mechas ? Jaune et rouge ? Ça doit être Syrax et Sector. J'arrive pas à croire qu'elle puisse faire ça. Tout comme nous n'arrivons pas à croire que tu as trahi les Lin Kuei. Fight ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah !
être rebelle, Smo. Fight. Liang t'a induit en erreur. Non, ce n'est pas notre mission. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ton combat. Tu la défends, Syrax. Kuai Liang et Thomas ont rompu leur serment. Ce sont des cibles. Mais elle n'est pas Lin Kuei. Elle ne fait que répondre à notre attaque. Tu t'accroches encore à l'honneur après cette attaque abjecte. Ça me dégoûte que tu aies corrompu les Lin Kuei. Fight. Ne te méprends pas, on est là à cause de ta trahison. Es-tu prêt, mon frère, à récolter les fruits de ta déloyauté? Oh, Syrax, vas-y. Oui, grand maître. Écarte-toi. Je t'ai dit que ce n'était pas ton combat. Si vous le voulez, il faudra me passer sur le corps. Si elle le souhaite tant, exauce son vœu. Tu sais bien que Bian a tort, qu'il agit sans aucun honneur. Non, c'est Kuai Liang qui a trahi les Lin Kuei. C'est un mensonge raconté par l'homme qui a laissé mon père mourir.
Quoi ? Impatient qu'il était de prendre la tête d'Elin Quay. Mon frère est allé trop loin. Il a rompu son serment sacré et s'est rallié à des étrangers contre le royaume Terre. Non, non. C'est... Je ne peux pas y croire. Est-ce que j'avais ça la dernière fois que tu m'as vu ? Qui est responsable d'après toi ? Grand maître. Est-ce que c'est vrai ? Absolument. C'est vrai. Tu étais au courant, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Je partage sa vision d'Elin Quay. Nous ne serons pas contraints par les limites de Liu Kang. Oubliez nos traditions, nos serments ? Je ne pourrai jamais l'accepter. C'est pourquoi nous t'avons caché la vérité. Maintenant que tu sais, tu es une menace pour Elin Quay. Et tu dois être emprisonné avec mon frère. Fight ! Ai-je pu croire à tes mensonges ? C'est une excellente question, Syrax. Quoi, Ilong ? Je ne sais pas quoi dire. Au fond de moi, je doutais de cette mission. Mais comme je voulais faire mes preuves, j'ai... Ce n'est pas une excuse ! Non. Non, en effet. Il n'y a qu'un seul châtiment possible. S'il te plaît, Kuai Liang, elle a été trompée. Aie pitié d'elle. Fais-moi ce cadeau, pour notre mariage. Comme tu voudras. Mais sache que tu n'es pas pardonné. Trop de sang de Shirai Ryu a coulé aujourd'hui. Les Lin Kuei se replient. Nous les avons fait reculer. Merci, Raiden. Et merci aux Shaolin. Je suis désolé de t'avoir mêlé à mes affaires de famille. Emprisonne Bian et Sector. Nous nous occuperons d'eux à notre retour au complexe. Respectueusement, non. Leurs crimes sont contre vous, mais aussi contre le royaume Terre et l'outre-monde. Leur destin est entre les mains du seigneur Liu Kang et de l'impératrice Milena. Tu veux les épargner ? Mais tu es fou ! Je suis d'accord. Ils répondront de leur aide dans la rébellion de Shao.
Et bien sûr, je te laisse décider de leur châtiment. Mais les tuer ne restaurera pas Sindel et ne soulagera pas ta peine. Mais cela me procurera un grand plaisir. Impératrice. Déjà, après la rébellion et la capture de Shao, mes conseillers m'avaient demandé de l'épargner pour étouffer la sédition qu'il avait allumée. Mais les cendres crépitaient encore parmi ses adeptes. Et lorsque Shao s'est échappé, elles se sont rallumées. Et maintenant, les armées de ma sœur sont débordées. Et comme toujours, la puissance du Royaume Terre est à votre disposition pour gérer la menace de Shao. Ce que je demande en retour, c'est qu'ensemble, nous essayons de briser le cycle de la violence, en tant que partenaire pour la paix. Que se passe-t-il ? Intrus venus d'un nouveau continuum. D'accord. Mais de qui ? Et tu as raison de t'inquiéter. Je rencontre enfin l'homme qui a inspiré l'œuvre de ma vie. Merci, Seigneur Liu Kang. Épargne-moi tout ça, Vic. Allez, explique-toi. Je t'ai affronté à la pyramide, aux côtés du titan Shang Tsung. Il est venu dans mon continuum et m'a demandé de l'aide. Avant cela, je ne savais pas qu'il existait d'autres continuums, et encore moins qu'on pouvait les faire s'affronter. C'est donc pour ça que tu es là. Tu veux que nos deux continuums s'affrontent dans un combat. Le tien, le mien, tous les continuums. Tu n'imagines pas le chaos. Et si je comprends bien, je dois être ta prochaine victime. Ça, c'est pour plus tard. Pour l'instant, c'est lui que je cherche. C'en est fini. Nous devons nous échapper. Mais nos chances sont minces. Nous sommes des Ungadi, Caméléon. Nous n'échouerons pas. Mieux vaut laisser de vrais guerriers s'en occuper. Sub-Zero et toi n'obtiendraient pas la pitié de l'impératrice. Elle n'est pas du genre à changer d'avis. Nous ne faisons pas ça pour son pardon. Nous nous battons pour notre vie. Let's go.
magie du chaos à bon dos. Fight. Rien à faire ici. Mes sœurs, ce serait stupide et totalement inutile. Occupe-toi d'eux. Tes armes sont à revoir. Elles ont été vaincues facilement. Elles ont sauvé tes sœurs, oui ou non? Il est temps pour elles de finir le travail. Fight! De Havik sont donc vraiment inutiles. Fight. On a eu assez. C'est vrai que tu te bats bien. Les Umgadi ne sont pas les seuls à s'entraîner dès la naissance. Mes parents ont fait de moi une Lin Kuei. Mes compétences sont leur héritage. Ce n'est pas naturel. Comment les combattre? Pour résister et pour survivre, croyez en vous et en votre entraînement. Tu apprécies l'armure maintenant? Seulement tu l'avais créé pour une raison plus noble. Qu'importe son but, elle sait du Seigneur Havik. Tu combattras et mourras pour son divertissement. Ajoute-toi. Fight.
Embrasser le chaos, j'embrasserai la victoire. Fight! Je déteste le chaos. Il est à nous, Seigneur Avec. Ils ne s'échapperont pas. J'espère que tu aimes le chaos. Tanya, retiens-la. Impératrice, peut-être a-t-elle mérité le pardon. Elle nous a bien aidés au combat. Oui, mais parce que nous avions un ennemi commun. Elle est complice de la mort de notre mère. Elle ne mérite pas le pardon. Peut-être, impératrice. Mais nous aurons besoin de son aide lors de cette crise. Nous devrions prendre le temps d'en discuter. Ah, comme tu voudras. Thank you.
est un combattant doué. Il sera parfait dans l'arène. Non. Pour lui, j'ai d'autres plans. Pour passer le temps, pendant que j'imprègne mes Kamidogu des cristaux de temps de Geras. Qu'est-ce qu'un Kamidogu? Tiens, tu ne sais pas. Eh bien, vois par toi-même. Ce sont de vieilles et puissantes reliques. Utilisées ensemble, elles peuvent recréer la réalité de ce continuum. Mon coup de génie a été de comprendre qu'il pouvait aussi façonner la réalité d'autres continuums. S'ils sont d'abord imprégnés de leurs cristaux de temps. Il a un cerveau qui va de pair avec ses muscles. N'aurais-tu pas dû capturer Liu Kang? Pourquoi capturer Geras? Parce qu'il est le seul être à avoir vécu dans tous les continuums précédents. Ce qui veut dire que les cristaux de temps en lui contiennent les blocs de tous les continuums actuels. Une fois que mes Kamidogu en seront imprégnés, j'aurai le pouvoir de recréer tous les continuums à ma guise. Et de nous condamner à l'anarchie. Pas condamner. Élever. Magnifié. Et comme tu le seras une fois que j'aurai terminé. Ce nouvel avis qui est différent du nôtre. Celui qui a aidé la rébellion. Celui-là, il ne veut pas la liberté. Il veut tout brûler. Il veut mélanger des continuums, et pourquoi? Pour les regarder se battre? Notre avis qui est moins fou parce que j'ai modifié sa destinée en réinitialisant le temps. Ce avis titan prouve que j'ai eu raison de le faire. Ah, d'abord ce Shang Tsung et maintenant ce avis. Est-ce que la menace des titans cessera un jour? Dis-moi, comment pouvons-nous échapper à cette crise? Nous devons secourir Geras avant que Avik ne lui prenne ce qu'il cherche. Je vais déployer des légions. Kitana va... Majesté, ils doivent rester ici. La fuite de Shao et sa rébellion rendent l'outre-monde vulnérable. D'ailleurs, je ne peux pas y aller. Parce que mon absence rendrait le continuum vulnérable. C'est pour ça que tu penses avoir besoin de Sector. En tant que Lin Kuei, Syrax et elle sont entraînées pour ce genre de mission. Et elles ont l'avantage d'être ici, avec nous. Je peux les envoyer immédiatement, sous les ordres de Scorpion. Je ne veux pas de leur aide. J'irai seul. Ce serait très imprudent. Ne doute pas du besoin de Syrax de se racheter. Et de la haine de Sector envers le chaos de Havik. Ou de son envie de voir Sub-Zero revenir sain et sauf. Elles ne nous trahiront pas. Croire Sector ? Tu es sûr? Non. Mais je ne suis pas sûr de te croire non plus. Mais Liu Kang a raison. Nous devons agir. Tu comprends les termes de ta libération? Récupérer Geras, c'est notre priorité. Sauver Bian... est secondaire. Nous ne le sauvons que si la mission n'est pas en péril. C'était assez clair. Ne l'oublie pas. Allez, Liu Kang attend. Jamais rien vu de tel. Non, moi non plus. Restez concentrés, toutes les deux.
Il me réprimande comme si j'étais une simple novice. Calme-toi. On ne sauvera pas notre continuum en se battant entre nous. Nous réglerons nos différends lorsque cette crise prendra fin. N'obéissez à aucune règle. À aucune loi. Ce que votre cœur désire est juste. Tout ce que vous désirez est sacré. Depuis votre naissance, les serviteurs de l'ordre empoisonnent votre esprit. Vos parents vous disent quoi croire. Les prêtres vous disent qui prier. Et les politiciens comment penser. Laissez le Seigneur avec vous purger de son chaos. Laissez-le de la C'est de la folie. On doit retrouver Geras ici. Salive. Tu peux te penser. Je te dirai rien. Quand il en aura fini avec le crayon ancien, ce sera ton tour. Non, Jonathan Cage. Rang lieutenant-colonel. Matricule. Va te faire foutre. S'il dirige la résistance, il sait peut-être où trouver Geras. Le cryomancien dont ce Tarkatan a parlé, ce doit être Bian. Certainement. Bienvenue à la sauterie, poupée. C'est quoi ton petit nom ? Sector. Avec toi, c'est où tu veux, quand tu veux. J'aime les gonzesses qui savent se battre. Fight.
Les ennemis sont-ils tous incapables ici? Ouah, t'as du camp, poulette. Tu mets la barre haut pour les autres nanas. Moins de blabla, plus de combat. Nous voulons le chaos. Tu défends l'ordre. Il sera détruit. Fight. Durs à tuer. Ah, ça bon sang, mais qu'est-ce que... Et merde. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Tu n'as jamais vu de Zateran? C'est comme ça que ça s'appelle? Avik veut vous capturer. Mort ou vif, c'est à vous de choisir. Fight! Les Zateran ne m'impressionnent. Passer mon chemin. Tu es blessé? Pas une égratignure. Tu transmettras mes compliments à ton tailleur. C'est une sacrée combinaison. Lieutenant-colonel Jonathan Cage, US Army, 44e d'infanterie. Je faisais la guerre contre Hitler en France, et une seconde après, j'étais ici, à me battre contre un enfoiré nommé Avik. Nous avons un Johnny Cage dans notre monde. Mais vous semblez n'avoir rien en commun. Il y a 6 mois, ça m'aurait, comment dire, estomaqué. Mais maintenant, je sais que je suis... que nous sommes... plusieurs. Et cette histoire de monde mélangé, c'est un vrai micmac. Un vrai quoi? Lieutenant-colonel, que s'est-il passé? Du calme, mes amis. Il est avec moi. Argus, sois loué, tu es sain et sauf. Vous savez, je ne serais plus de ce monde sans l'aide de ces braves gens.
Empereur, voici Sector et Shin... Désolé, je vous ai pas demandé vos noms. Scorpion. Elle, c'est Syrax. Je suis Reign. Pas besoin d'utiliser mon titre, car je n'ai plus d'empire. Avik me l'a pris. J'imagine que vous faites partie de ces dernières victimes. Pourtant, vous n'avez pas l'air mal en point. Avik est arrivé dans notre continuum et a enlevé la clé de son plan pour le détruire. Nous sommes ici pour le récupérer. On a essayé d'éliminer cet enfoiré de Avik, mais hélas, sans résultat. Notre attaque sur sa citadelle a été un fiasco. On a eu un paquet de morts. La femme de Reign, Tanya, a été capturée. Elle combattra pour le plaisir pervers de Avik demain dans son arène. Un combat à mort. L'être que Avik a enlevé est probablement à la citadelle. C'est là que Avik passe le plus clair de son temps. Vous pourriez nous y emmener ? Bien sûr. Mais entrez et trouvez votre ami. C'est une toute autre paire de manches. La femme de Reign est la seule à connaître le plan de la citadelle. Alors nous devons la sauver, avant qu'il ne soit trop tard. Votre aide est la bienvenue. Mais attention, la mort est plus probable que la réussite. Sorcier, sans aucun doute. Frost va gagner. Ces variantes qui ont combattu ici ont toutes été féroces. J'aurais dû garder Kronika en vie, après lui avoir pris son sablier, pour lui montrer ce que j'ai fait de son équilibre sacré. Elle n'approuverait pas ? Elle détesterait ça. Tant pis pour elle. Elle n'avait qu'à me prendre au sérieux. Il y a tellement de Avik. Et tous aussi ignobles. Reiko et Limei, les dirigeants que Tanya et moi avons renversés, appréciaient aussi les combats sanglants. Je ne pensais pas en revoir un jour. Sophie-là ! Combien de temps as-tu régné ? Avant l'arrivée de Avik, assez pour que ce qu'il a détruit me manque. Tout a changé en un instant. Notre continuum s'est mélangé au sien et est tombé dans l'anarchie. Ne t'inquiète pas, nous allons les surprendre avant que le combat ne commence.
Je ne suis pas empereur. Ne crie pas victoire. Le combat ne fait que commencer. Qui sont-ils ? Ce sont des amis, Tania. Vous n'aviez aucune chance d'arriver ici sans vous faire remarquer. La lame de Kenshi excelle à débusquer les intrus. Je ne m'attendais pas à vous voir aussi vite. Votre Liu Kang a eu raison de prendre l'initiative. Descends, Avik. Nous t'attendons. Oui, viens divertir tes laquais en te battant contre nous. Vous mourriez trop vite. Mes partisans méritent beaucoup mieux. Avik va devoir faire mieux que ça. Quand mon Chris vous abattra, la chute de l'ordre sera accélérée. À chaque coup que tu portes, mon âme se rapproche un peu plus du chaos. Fight! Tant que je vivrai, je combattrai l'anarchie. Arrête-toi !
Ils vont nous submerger si nous ne fuyons pas. Par là! Bien joué, chère Marie. Ils sont à nous. Ils se battent comme Reiko et Limei. Nous avons vaincu ces tyrans. Nous vaincrons les nouveaux. J'ai confiance en Argus, Delia et toi. Fight! Les tyrans tombent toujours. J'adore ta vivacité d'esprit. C'est aussi pour ça que tu m'as épousé. Quelle mièvrerie! Les tourtereaux, regardez par ici! Contemplez ceux qui vont vous tuer! Fight! Ne sois pas si pressé d'avoir notre attention. Nous devons atteindre le tunnel. Oui, au plus vite. Ça va être amusant. Thank you.
pris Joseph. Bon, notre fuite est fichue. Votre fuite. Le tunnel est une entrée, pas une sortie. Vous êtes dans le labyrinthe. Ces chemins changent constamment. Ces pièges sont plus qu'ingénieux. Ces habitants sont diaboliquement mortels. Personne ne peut y survivre. J'aime imaginer de nouvelles manières de tuer. Tu n'auras pas ce plaisir. Nous ne mourrons pas ici. Votre mort est assurée. La seule inconnue est la manière de... Nous surmonterons cela ensemble. C'est trop épais. Bon, eh ben nous voici dans de beaux draps. Syrax, on va continuer. Avec un peu de chance, nous nous retrouverons plus loin. Compris. Nous devrions faire comme les autres. Et avancer. D'accord. Allons-y. Occupe-toi des autres, s'il te plaît. Nous nous occupons de l'empereur et de l'impératrice. Je ne suis pas surprise de ton entente avec Avik. Tu ferais tout pour obtenir le pouvoir que tu souhaites. Ne nous fais pas la leçon. Tu ne veux pas mieux que nous. C'est pour cela que tu as volé notre trône. Nous avons agi pour l'outre-monde, pas pour nous. Pour le libérer de votre régime corrompu. Fight! N'aura jamais le pouvoir. C'est Sector. Nous devons l'aider. Oh, par Delia. Le chaos se manifeste de bien des manières. Vous combattrez encore et encore, jusqu'à les avoir tués. Là seulement, vous pourrez avancer.
Cette fois, ta défaite est certaine. Fight! Ensuite, ne me réjouis guère. C'est leur vie ou la nôtre. Tu as entendu Avik. Mais je n'en veux qu'à la sienne. Mets fin à leur souffrance. Ça, c'est ce que j'appelle un meurtre. Exécuté avec élégance. Vous avez mérité ma faveur. Vous pouvez continuer. Sa voix me fatigue à un point. Et moi donc, trouvons Sector. Espérons que Avik tienne parole. Loué soit Argus. Plus il y a de morts, plus Avik en envoie. J'avoue que j'apprécie ce défi. Êtes-vous prêt pour la suite? Quoi encore? C'est d'une simplicité diabolique. Pour survivre, vous devez ouvrir cette porte. Avik nous a laissé passer pour qu'il puisse nous détruire. Reculez. Ça nous mène nulle part. Si on a assez de temps, le verrou peut être forcé. Je vais vous en gagner. Tanya, si Sector ouvre la porte, rejoins-la. Non. Jamais. Tu le dois. Je ne peux pas les retenir très longtemps. Je ne m'échapperai pas. Rain, je... Tu dois survivre. Emmène les alliés de Sector à la citadelle. Non. Nous avons fait le serment de ne jamais nous séparer. Mais aussi le serment de préserver l'Empire. Vite, Tanya! Tous les jours. Tu me rappelles pourquoi c'est toi que j'ai choisi. Va, Tanya. Je t'en prie. Ces couloirs ne s'arrêtent jamais, comme mon ancien commandant. Quelle pipelette, celui-là. Je réalise que je ne t'ai pas remercié de m'avoir épargné. Remercie Harumi. C'était sa requête. Tu sais, je n'attends pas de pardon. Mais j'aimerais être comprise. Les mensonges... Depuis le temps qu'on se connaît, comment as-tu pu croire que... Tu avais disparu, sans aucune explication. Bian, mon grand maître, m'en a donné une. Ça n'avait pas de sens, mais ton départ n'avait aucun sens non plus. Je serai responsable de tes actes. C'est ce que tu es en train de dire. Non. Ce que je dis, c'est que... Je ne suis pas une machine. Je suis humaine. Et les humains font des erreurs. Nous en reparlerons. La magie de Avik bloque les capteurs de mon armure. Ils ne détectent pas les pièges.
Quel endroit affreux! Dire que ce sera la tombe de mon mari. Il a donné sa vie pour toi. Au moins, il sera mort avec honneur. Non, arrête. Si j'y pense davantage, j'ai peur de m'effondrer. Allez, parle-moi d'autre chose. De tes amis, par exemple. Ce sont des alliés, pas des amis. Et seulement pendant cette crise. Quand tout sera fini, nous pourrons régler nos différends au combat. Vous vous battez pour des terres, des ressources. Moi-même et d'autres aspirons à un avenir puissant. Eux et leurs semblables s'accrochent à un passé décadent. Et ça vaut vraiment la peine de se battre à mort ? Pas moins que la capture d'un trône, ou d'un royaume. D'innombrables personnes sont mortes pour satisfaire les caprices barbares de Reiko et de Limei. Nous ne nous battions pas pour une vision abstraite de l'avenir. Si ça continue, elles vont finir par se battre. Elles n'en auront pas l'occasion. Elles ne survivront pas à la prochaine rencontre. Génial. Lequel choisir? Ça pourrait mener n'importe où. Pas moyen de le savoir. Choisissons et avançons. L'armure n'a pas réussi à détecter ça. L'armure n'est pas programmée pour les dragons. On pourrait passer, si j'arrivais à la calmer. La calmer? Comment? En lui remplissant l'estomac. Orin meurt de faim. Elle n'a pas été nourrie. Servir de goûter à Orin. Fight! Maltraiter une si belle créature. Je pensais qu'ils en auraient eu assez.
Il est évident qu'il raffole des châtiments. Ils se battent pour mon divertissement. Ils savent que cette mort va me plaire. Très bien. Cette fois, on les anéantit. Et comme... Si tu tiens à peine ton dos... Capable, mais pas invincible. Je sais pertinemment que vous mourrez ici. Qui me tuera. On continue. Le dragon nous attend. T'es sûr de pouvoir le calmer ? Elle doit aussi être télépathe. Apparemment. Lis leurs pensées. Venez. Kenshi, non
je ne les comprends pas. C'est une langue étrangère. Avant que Avik ne détruise ma réalité, j'étais aimé des dieux. Mais il m'a piégé ici, et condamné à cette mort lente. Depuis, personne n'a fait preuve de bonté à mon égard. Pourquoi vous ? Pour pouvoir passer indemne et nous échapper pour vaincre Avik. Nous espérons pouvoir trouver une sortie. Votre espoir est vain. Il n'y a pas de sortie. Tous les chemins mènent ici. Le sergent instructeur ne nous a jamais parlé de ça. Arrêtez! Ne l'énervez pas. Non, Aurine, ce sont des amis. Où irais-tu si tu pouvais partir? À la citadelle de Avik, où leur camarade a été fait prisonnier. Si nous le libérons, nous pourrons sauver leur continuum. Ainsi Avik tombera. Montre-moi ta destination. Je vais vous y envoyer. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit qu'elle allait nous aider. De l'aide? Mais comment? L'endroit est bien gardé. Une attaque directe est impossible. Mais si je peux vous faire entrer... Nous faire entrer? Les lois de la nature ne s'appliquent pas là-bas. Nous y envoyer serait... Difficile, mais faisable. Reculez. Reculez. Allez, reculez. Non. Même pas en rêve. Quand vous m'écartez... Merci, Aurine. Je reviendrai vous chercher une fois que cette crise sera terminée. Moi, mon nouveau serviteur devra les retenir jusqu'à notre arrivée. Préviens-le. Dis-lui que la citadelle est infiltrée. On a pris une cuite dont je ne me souviens pas. J'ai l'impression d'avoir une sacrée gueule de bois. Ça paraît... infime. On est vraiment au cœur d'une citadelle? N'essaie même pas de comprendre. Tout est possible dans le domaine de Avik. Comment connais-tu les secrets de la citadelle? Je me suis fait passer pour un sbire de Avik pendant des mois, afin de préparer au mieux notre attaque. Là, la fonderie de Avik. Si votre ami est ici, il est derrière cette porte. Est-ce que ça va? Plus ou moins. Mon armure a amorti la chute. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Je suis ravie de te rendre l'appareil.
Mon armure vole sur de courtes distances. Je peux les récupérer un par un. Fais attention. Si tu t'écartes du chemin, tu tomberas pour toujours. La confrérie du chaos vous aidera sur votre chemin. Parle comme Bi'an. Je suis Bi'an, mais pas comme vous le connaissez. Qu'est-ce que Avik t'a fait ? Il m'a perfectionné, m'a baptisé dans le chaos. Ce qui s'oppose à l'anarchie, qui vénère l'ordre, sont éliminés. Telle est la volonté du Seigneur Avik. Fight !
le seigneur Avik a sa place aux enfers. Fight. Tu le connais, de ton continuum ? Oui. Oui, mais il a été corrompu. Je dois le guérir. Le ramener. Ne t'en fais pas. Je suis sûre et certaine que nous le reverrons. Ça t'embêterait de changer de partenaire ? Non, ça ne m'embête pas, Syrax. Pour l'instant, ta confrérie ne m'impressionne pas. Avik se fait des illusions s'il pense pouvoir nous retenir. Fight. Pareil, pas impressionné. Tanya, écarte-toi! Vous serez brûlés par les flammes de l'anarchie. De l'eau, du feu et même des chapeaux volants à lame, j'ai vu assez de chaos pour aujourd'hui. Oui, tout comme moi, Syrax. Et moi donc. Fight. Fight.
J'ai hâte que cette journée se termine. La porte de la fonderie est devant nous. Allez-y, impératrice. Attends. Toi, Sector. Bian est là. Il défend Avik. Il le défend ? Mais jusqu'où mon frère s'abaissera-t-il ? Il n'est pas lui-même. Son esprit est brisé. Oui, c'est probable. Mais s'il se met sur notre chemin... Nous devons le ramener. Il faut annuler le mal qui lui a été fait. Seulement si ça ne met pas la mission en péril. Quoi ? Tu le laisserais mourir ? Tu n'as donc aucun respect ? Il ne mérite pas le respect. Il n'en a pas montré à mon père. Salutations, mon frère. Nous nous affrontons à nouveau. Cette tenue te va bien. Elle est aussi noire que ton cœur. Pourquoi es-tu aussi aveugle? D'abord le potentiel des Lin Kuei, et maintenant la perfection du chaos du Seigneur Avik. C'est ton ambition qui est aveugle, Bian. Comme toujours. Il a peut-être déformé ton esprit, mais tes désirs restent inchangés. Malgré ce que dit Kuai Liang, il ne veut pas perdre Bian. Nous ne pouvons pas le tuer. Je ne promets rien. Nous devons arrêter Avik, quoi qu'il en coûte. Fight. Heureusement, la mort ne sera pas nécessaire. Avik l'a rendu odieux. Nous devons corriger ça. L'arcaniste ancien des Lin Kuei... ne sait rien de la magie de Avik. Liu Kang est notre seul espoir. Tu n'aurais pas dû comploter contre lui. Tu refuses de l'aider? C'est ton frère. Kuai Liang a oublié comment honorer sa famille. Ne confonds pas pitié et allégeance, Sector. Je refuse de prendre parti. Avik veut ses cristaux de temps. Ses reliques doivent l'extraire. Il faut peut-être interrompre le processus. Parfait.
Il faut partir, quand tu seras prêt. Prends aussi les Kamidogu. Qui est le gros malin qui a collé ça ici ? Sapristi ! Maintenant, on les tient. Rassemblez mes serviteurs. Nous allons dans le continuum de Liu Kang. Seul son esprit est guéri. Je n'ai jamais rien vu de tel que la magie de Havik. Elle ne sera pas facile à maîtriser. Bian, est-ce que tu m'entends ? Même si notre conflit subsiste, sa résolution devra attendre. Il n'aura plus de sens si nous n'arrêtons pas Havik. Sur ce point, Liu Kang, nous sommes d'accord. Nous avons ces Kamidogu. Ça pourra le ralentir. Seulement s'il en reste éloigné. Je pense qu'il est déjà en route. Une fois au Temple des Éléments, ils seront hors de sa portée. Les autres vous attendent à l'extérieur. Ils vous accompagneront dans votre voyage. Bon, Bian, que peux-tu me dire de ta captivité ? Il sait tout ce que je sais. Quand mon esprit a été brisé, il est devenu un livre ouvert. Tout mon savoir était à la disposition de Havik. Donc il connaît toutes nos défenses. Et les portails de la vallée de Ying. Il récupère les Kamidogu. Il les utilisera pour accélérer la conquête de ce continuum, en répandant son chaos dans tous les royaumes à la fois. J'aurais dû être plus fort. Certes, tu as bien des raisons d'avoir honte, mais ceci n'en est pas une. Peu auraient résisté à un titan. Sector, tu es avec Liu Kang ? Oui, pourquoi ? Venez à l'entrée. Havik. Ma citadelle. Voler mes Kamidogu. Oh, il faut reconnaître que des guerriers savent créer le chaos. Heureux d'entendre que tu approuves. Que j'approuve ?
Tu as osé chambouler tous mes plans! Le seul chaos que tu acceptes est dont le tien. Tu n'es pas un zélote. Tu es un hypocrite. Les Kamidogo sont chargés et je suis prêt. Rien ne m'empêchera de capturer ce continuum. Antokeji! Matomena! Rikomasa! Disposez d'eux à votre guise. Plus ce sera douloureux, mieux ce sera. Votre sang versé fera naître le chaos éternel. Soyez heureux que vos morts servent une cause si juste. Fight. Oh!
que l'on gagne, mon frère. Je t'enterrerai sous une montagne de glace. Reste là, je vais m'occuper de lui. Ce combat, ou protéger ton ego. On les laisse se battre entre eux. Non, mettons fin à cela pour toujours. Fight! C'était parfaitement inutile. On aurait pu avoir des informations. Je ne pense pas qu'ils en avaient. C'était des sous-fifres. Peut-être, mais on ne le saura jamais. Nous aurions été mieux servis si des esprits plus calmes avaient prévalu. Peu importe. Notre objectif reste inchangé. Il faut nous débarrasser de Havik. Tu as raison. Nous rassemblerons mes champions et partirons pour la vallée de Ying. Début de la fin. Keras. Rikija! 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 Kusini! Atomena! Ce continuum est à moi. Seigneur Havik, regardez. Liu Kang et ses alliés tiennent à ce que ça reste intéressant. Qu'en penses-tu? Plus on est de fous, plus on rit. Va saigner.
C'est bien ce que tu es censé faire. Défendre le royaume Terre. Mais je n'ai pas le droit de vouloir un avenir différent. Ce ne sont pas tes désirs le problème. Ce sont les méthodes que tu utilises. Assez joué. On a un travail à terminer. Patience, père. Tu m'as appris que la mort devait être divertissante. Je les tiens. Impressionnant. On ne traite pas les dieux à la légère. Non. Les dieux, on les tue. Arrière. Je vais mettre un terme à cela. Non, Liu Kang. Je m'en occupe. Je refuse de combattre dans votre ombre. Rends-toi, Avik, ou tu seras banni dans le néant. Me soumettre à ton ordre et abandonner mon triomphe ! Tu es devenu fou ! Ce continuum ne tombera pas dans le chaos. Ses habitants ne vivront pas ainsi. Ah bon ? Il n'y a pas de loi sacrée ! Il n'y a pas de règle divine ! Ah !
Je choisis ce qui est juste, car j'en ai le pouvoir. Et je choisis de faire à l'univers tout entier le don de l'anarchie. Le continuum. C'est un combat que je ne perds jamais. Un combat entre titans. Pas cette fois, Avik. Cette fois, c'est moi que tu affrontes. Non, Bian. Ton ego est trop. Avik a empli mon esprit de son chaos. Je comprends ses pensées. Je comprends son combat. Ah, imbécile. Tu n'apprends donc rien. Le chaos est inexplicable, imprévisible. Tu ne peux rien contre la douleur que tu vas subir. Fight. Ah!
Non, arrête! Tant qu'il n'est pas mort, rien n'est fait. Nous ne savons pas comment il est relié à son continuum. Il pourrait disparaître si nous détruisons Avik. Et je ne prendrai pas le risque de tuer des millions d'innocents. Ce n'est pas notre problème. On veut seulement... Tais-toi! J'en ai plus qu'assez de ton égoïsme. Liu Kang, je vais te... Bien, non! Pas ce combat! Merci, Geras. Et toi aussi, pour ton soutien. J'ai agi pour Bi'an. Il n'aurait rien gagné à relever ce défi. Très bien. Pour récompenser tes efforts pour notre continuum, je tâcherai de t'épargner la colère de l'impératrice Milena. Va, retourne chez les Lin Kuei. Et Bi'an ? Il restera avec moi, jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Aurais-je quand même droit à quelques nouvelles ? Si je le juge bon. Et Sector ? Les prochaines transgressions des Lin Kuei seront sévèrement punies. En tant que grand maître en l'absence de Bi'an, c'est toi qui seras responsable. Est-ce que la magie de Avik peut être annulée? Oui. Mais comprendre ses subtilités prendrait des années. Pour l'instant, Bi'an séjournera au Temple des Éléments. Ce sera plus sûr pour tout le monde. Reste à régler la question de Syrax. Elle attend ta décision. Je sais ce que pense Harumi, mais j'ai encore des doutes. Fais confiance à ta femme, Kuai Liang. Inspire-toi de sa sagesse. Te voilà. Merci. J'ai promis une décision, et je l'ai prise. Avant de la partager, j'aimerais pouvoir dire une fois de plus que... Tu t'es bien battu contre Avik, et tu m'as sauvé la vie. Mais... Mais ça ne suffit pas. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas tout. Je n'aurais pas dû te juger. Pour avoir cru au mensonge de Bi'an. Moi aussi, il m'a dupé. C'est lui, et lui seul, qui mérite ma colère. Toi, cependant... Tu mérites une invitation. Je ne sais pas quoi dire. Merci, Kuai Liang. Merci, grand maître. I do all of my own
doing stunts. Mess around and hit me, you probably get blown up. I've been hot enough here to throw up the whole sun. Cut a man in half, write my name in his own blood. Everybody dies, you probably gon' never learn from it. Pop them in the sky so they never gon' get a turn from it. Burn stomachs cut like my blade is immortal. Bitch, open a portal, I slice you till your parts out of order. Your head and your torso, I murder your gore. You got a death wish, keep my hat spinning. I'm watching them get their neck split. Toxic, boxed it, you ain't gonna block this. Perfect every legend and sonically outfox them. You came to win the tournament, I'm ripping out your vertebrae. We came to be the worthiest murderer. And every murderer who wanted you got it. I leave them freezing to death, so tell me you next. So I can put the spear in their chest. I'ma call it Kenshi, we ain't never seen it. Hit you with an x-ray, real orthopedic. Now it's time to take your spine out. You ain't gon' need it where we're going. Both legs broken, head split open. Blood starts flowing, watch your soul get stolen. This human is smoking, you wanna try again, bruh? Insert a token, now. We be unmatched when it comes to endurance. Spit hot fireworks, burn like a furnace. Cook your epidermis, yo, I hope you got insurance. Because losing all your limbs is a frequent occurrence. No doubt we're the number one team. We got Elder God power in our bloodstream. We be crushing brains, erupting obscene. Where we cut things, you could call this a cutscene. How many of us get a second chance? How many of us get to press rewind? From different worlds, figurative and literal, standing in opposition to the God that I have risen to, can cause you harm in the physical as well as mystical. While praying on devices that I gotta read his position to. Flawless victory, my record's solid gold. But if we got a common foe, he gotta go. I'm down to roll. Full contact, been well versed in combat. Bombers, we stick around that. This fight here is the soundtrack. Just takes a simple bit of pride instead of differences aside, instead of ripping out your eyes. But this isn't a surprise, I got no time, and my patience is in limited supply. I'm unwell, so cold, like when the sun fell. You want help? We come together just like the one realm. This war's endless, rifts partially mended. Fatalities to friendships, now we gotta end this.